Bonjour. Dans la première vidéo, j'ai indiqué comment calculer vos premiers nombres. Je fais un petit rappel ici pour plus de facilité, si vous ne les avez pas encore calculés. Ensuite, j'ai parlé des relations du nombre 1 avec les autres nombres. Donc, je continue l'interprétation. Rappel d'un exemple des premiers nombres à calculer, que vous voyez là à l'écran. Le 2 avec le 2, c'est une relation délicate à cause de deux fortes sensibilités, ce qui occasionne des troubles psychologiques si ces nombres concernent ce domaine. Le 2 avec le 3, l'imagination et le sens du service du 2 s'allient à l'expression et à la jovialité du 3. La relation est harmonique et s'entoure de proches. Le 2 avec le 4, c'est un assemblage qui n'est favorable que sur le plan professionnel, où l'on peut collaborer. Dans les relations de couple, c'est le signe de tension, de rivalité et d'incertitude. Les relations sociales sont délicates. Le 2 avec le 5, ce sont des relations qui posent des problèmes, car il y a trop d'instabilité, de tension, de remise en question, de sensibilité et possibles abus sexuels. Le 2 avec le 6. Cet accord ne favorise pas les relations concrètes et matérielles, mais la vie familiale ou amoureuse est très largement favorable et incite à l'union, vécue de façon heureuse, avec une bonne ambiance familiale. Le 2 avec le 7. Il n'y a pas de désaccord majeur pouvant toucher les domaines matériels et financiers. C'est dans la vie sentimentale que les problèmes se posent, avec toutefois la possibilité d'évoluer ensemble sur le plan spirituel. Le 2 avec le 8, c'est un bon accord sur le plan matériel et affectif. Collaboration fructueuse, dynamisme dans les relations affectives. Le 2 avec le 9. L'équilibre est délicat à trouver avec l'autre et avec les autres, ce qui peut provoquer des crises intérieures. Mais pour certains, une ouverture d'esprit et des remises en question ont des conséquences positives. Le 2 avec le 11, c'est une relation délicate, mais un accord est possible si la sensibilité importante de ces deux nombres, leurs émotions et leur nervosité sont canalisées. Le 2 avec le 22, l'accord favorable est avant tout sur le plan spirituel. Les grands desseins du 22 sont ralentis et fragilisés par le 2. Possible perception extrasensorielle. Dans la première vidéo, je n'ai pas fait les accords du 1 avec les 11 et 22, donc je vais les faire ici. Le 1 avec le 11, c'est un accord énergétique. Le 1 aide le 11 dans sa progression, surtout médiatique ou intellectuelle. Mais les émotions, la rigidité amènent des tensions affectives. Le dernier pour cette vidéo. Ensuite, je ferai les autres nombres, le 4, le 5, le 6, etc. Le 1 avec le 22. Rapport dynamique, mais avec des aspects déstabilisants. De grandes réalisations du 22, qui n'est pas aidé par le 1, en des domaines vastes, qui touchent souvent à la spiritualité. La vie affective ou familiale, ce n'est pas la priorité, et elle est parfois mouvementée. On peut comparer les nombres qui figurent dans la grille du patronyme, et aussi ceux du chemin de vie. J'en ai parlé dans la vidéo 1. À bientôt pour la suite.